Un premier convoi composé de 247 pèlerins issus de différentes wilayas de l'est du pays s'est envolé en direction des lieux saints de l'islam. Nous sommes ici à l'aéroport Rabah Betat pour le départ des Hajjis dont le nombre est de 247. Tout se passe dans de bonnes conditions, d'autant plus que l'aéroport est spacieux et peut accueillir un grand nombre de pèlerins. La protection civile joue un rôle très important. Les membres qui sont chargés d'accompagner les pèlerins ont une mission qui est celle de suivre les Hajjis depuis leur départ jusqu'à leur arrivée et se pourveiller à ce qu'ils accomplissent leur pèlerinage dans les meilleures conditions. Et pour éviter tout incident, notamment concernant les personnes âgées et malades, une équipe médicale sera du voyage. Il y a une équipe médicale qui suit les pèlerins et ce pour s'assurer qu'ils aillent bien. Les pèlerins n'ont pour leur part pas caché leur satisfaction des conditions d'accueil. Tout a été mis à la disposition des Hajjis, on a eu droit à un bon accueil. Nous n'avons eu aucune difficulté, je suis parmi les premiers arrivés à l'aéroport et je n'ai eu aucun souci. Il semblerait donc que tous les moyens aient été déployés afin que nos Hajjis effectuent leur pèlerinage dans les meilleures conditions qui soient, en attendant le départ des autres convois.